dans la joie et dans la bonne humeur. Bienvenue chez Tata. Vous êtes les bienvenus. On va passer un beau moment ensemble. Les filles, j'avais vraiment, vraiment envie de vous faire cette vidéo. Je souhaitais vous présenter mon top 5 des produits que j'achète et que je rachète ou que j'ai découvert et que j'ai racheté pendant les promos beauté Carrefour. Alors, la beauté, c'est bien. Si on peut l'avoir moins cher, c'est encore mieux. Je sais pas pourquoi je viens de sortir ce slogan de rala ou de caca. Enfin, bref. On commence tout de suite avec mon produit. J'ai l'impression d'être à la foire aux cochons. Oh, comment ça se parti. Allez, emmène ton premier produit. Mais calme-toi. Et je suis énervée. Je ne suis presque plus malade. Du coup, je suis tellement contente d'aller mieux. Mais vous pouvez même pas savoir. C'est un truc de fou. Donc du coup, ben, je suis énervée. On commence avec ce premier produit, les filles, je le kiffe, c'est le Pur Actif de Garnier. Alors ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais si vous ne le connaissez pas, mais si tu ne le connais pas, te va l'acheter ma fille, te va l'acheter, tu vas en kiffer. T'as essayé de faire quel accent? C'est quel accent? Non mais je plaisante, mais franchement si tu connais pas ce produit... Eh bien, va l'essayer. Tu peux l'utiliser de trois façons différentes. La première, c'est tout simplement pour te laver la figure. Donc, c'est de nettoyer, c'est logique. La deuxième, c'est qu'il va vous servir d'exfoliant. Et la troisième, ma préférée, franchement, moi, je l'utilise uniquement de cette façon, c'est que je l'utilise en mode masque. Je suis une dingue des masques. Alors, le charbon, on entend parler du charbon sur tous les blogs, sur toutes les chaînes. C'est vraiment quelque chose qui va purifier votre peau et qui va vous aider. Je vais même rajouter quelque chose. C'est que moi qui trouve qu'il y a la peau de temps en temps qui brille, j'utilise ce masque et bien pendant 2-3 jours, j'ai la peau qui brille moins. Alors, je sais pas si c'est parce que je le kiffe tellement que j'en vois... que des bienfaits. Il est sans parabènes, il est testé dermatologiquement, blablabla. Numéro 2, les filles, c'est celui-ci. C'est le Pur Actif de Garnier. Toujours la marque Garnier. Moi, je sais pas, mais Garnier, c'est la marque que j'utilisais quand j'étais adolescente. Donc, du coup, tu vois, je me suis dit, tu m'as pas mal sauvé la mise sur ma tronche. Donc, c'est vrai que je suis fidèle à Garnier. Et moi, leur gamme Skin Active, je la kiffe. Alors, celui-ci, pourquoi je l'achète? Parce que dedans, vous avez du zinc. Et il faut savoir que le zinc, ça combat les boutons, ces trucs... Et aussi, vous avez de l'acide salicylique. Donc, pour les filles qui ont la peau grasse avec des problèmes d'acné, non mais testez-le, il est démentiel. Alors moi, celui-ci, pourquoi je le prends? Il me nettoie les pores. Mais j'ai l'impression que tu prends un Karcher, tu le passes sur ta tronche, eh bien voilà, tu vas avoir mal. Mais là j'ai l'impression que j'ai le même résultat. J'ai l'impression de me désincruster le visage de tout ce make-up que je mets de toute la semaine. Donc je dis oui. La promo en ce moment, c'est les deux pour 4 euros. Il me semble 4,10 euros ou 4,20 euros. Donc ça vous revient à 2 euros le petit flacon. Je peux vous dire que j'en ai pris du stock. C'est une découverte, les filles. Donc j'ai celui-ci et celui-ci dans mon top 5. C'est les nouveaux masques. Ce sont les nouveaux masques de chez L'Oréal. Je les ai testés et j'en ai repris deux parce que ça me revenait... donc un doit coûter, je pense, 9 euros. Et là, vous aviez les deux justement pour 9 euros. Donc, je vous raconte pas. Celui-ci détoxifie la peau et il va vous donner un coup d'éclat. Alors, est-ce que... c'est vrai? Eh bien oui, je trouve que moi, il m'a réveillée. Alors celui-ci, il vous donne un coup de peps à la peau, mais je vous raconte même pas. Et il sent quand même particulièrement bon. Moi, L'Oréal, franchement, je les kiffe. La marque que ma mère, elle a toujours utilisée pour sa peau. Alors, il sent, mais trop bon. C'est vraiment quelque chose de pâteux, de marron. Vous venez, en fait, moi, j'exfolie ma peau avec ceci. Et donc, je viens poser le masque.
Ah mais laisse tomber. Et là il est super froid parce qu'en fait moi je le mets au frigo. Donc ne me demandez pas pourquoi je fais ça. J'ai un coin, j'ai un bac dans mon frigo avec certaines crèmes que j'achète et qui coûtent quand même assez cher. Et je trouve que de les laisser au frigo quand vous les mettez, eh bien je sais pas, l'action elle est complètement différente. Essayez le petit conseil de Tata et vous m'en direz des nouvelles. Bien sûr, il y a encore du charbon. Je n'en peux plus avec le charbon. Je pourrais bouffer, je crois, du charbon entre les midis. Je le ferai. Alors, à l'intérieur de ce masque, vous avez du kaolin, donc qui est une argile pure, très concentrée en silicate, reconnue pour absorber les impuretés. Vous avez de la montmorillonite, donc qui est aussi une argile qui est très, 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 très connue. Moi, j'en entends toujours parler sur certains blogs. La montmorillonite, elle va avoir plus, si je ne m'abuse, un effet sur les imperfections de la peau. Oui, voilà, hein, une action sur les imperfections de la peau. Et dedans, vous avez du rasoul. Donc, c'est une argile pure, hein, très concentrée en oligo-éléments. Elle est reconnue pour aider à clarifier le teint. Donc, moi, franchement, les filles, je dis oui. Ensuite, eh bien, j'ai pris celle-ci aussi, donc l'argile pure, exfolie. Oh là là, elle sent trop bon. Elle est... Non mais franchement, L'Oréal, là, vous avez tout compris. Moi, je trouve que L'Oréal, ils ont vraiment un impact de fou sur le monde de la beauté. C'est... Ouais, ils me font halluciner. Hein. Donc, eh bien, elle a les mêmes... Elle a les mêmes argiles, sauf qu'en fait, dans celle-ci, eh bien, elle va voir... Vous allez avoir le pouvoir de l'algue rouge, donc qui n'est pas des moindres. Dans l'argile rouge, vous avez vraiment beaucoup de vitamines. Et ces vitamines que vous avez dans l'argile rouge, eh bien, elles vont venir clarifier la peau, la rendre lumineuse. Et moi, je peux vous dire, les filles, que je les ai testées. Et aujourd'hui, s'ils se retrouvent, ces masques, dans mon top 5, c'est pas pour rien. Je vous le dis, c'est pas pour rien. Moi, vous me connaissez, soit j'aime bien, soit j'aime pas. Avec ceci. Donc, alors je sais qu'il y a beaucoup de filles qui ne l'aiment pas parce qu'elles disent que, en fait, ça leur laisse des résidus dans les cheveux. Alors celui-ci, moi, je le conseille et il sent, mais comment il sent trop bon. Moi, je trouve que il sent trop bon celui-ci. Franchement, je vous le conseille, pareil, à 1000% et il est, il me semble, dans les 2 euros. Ce qui vaut le coup parce que je pense que, normalement, il coûte dans les 4,50 €. C'est une très jolie économie. On continue avec ceci. Les derniers produits de mon top 5, eh bien, c'est le conditionneur et le shampoing de cette marque que j'affectionne énormément parce que ça fait déjà des années que je l'utilise. Mais malheureusement, je ne la trouvais pas en France. Donc, quand j'allais à l'étranger, j'arrivais à m'en fournir. Mais c'est vrai que ça pèse super lourd dans les valises. C'est quand même d'assez gros volume. Dans celui-ci, vous avez 385 ml et celui-ci aussi. Alors pourquoi? Pourquoi ils sont dans mon top 5 aujourd'hui? Je trouve que ces shampoings ont la capacité de texturiser mes cheveux. Regardez, là aujourd'hui, je les ai lavés. Et bon, là, ils sont secs. Mais... Je sais pas, il se passe quelque chose quand j'utilise ces shampoings. Bon déjà, premièrement, ça va vous éclaircir les cheveux. Moi, à chaque fois que je les utilise, et là je le vois, là ça fait aujourd'hui 2 semaines que je les utilise. Eh bien, c'est vrai que mes cheveux sont légèrement éclaircis à certains endroits. Vous me direz si je me tape des films ou pas en commentaire, s'il vous plaît. Alors, à l'intérieur, vous avez de la noix de coco, vous avez de la noix de coco et vous avez des compléments de protéines. Donc, c'est vraiment top parce que ça va venir vraiment réparer le cheveu, ça va venir l'assouplir, lui donner une texture. Ils sont juste trop bien. Alors, on va parler de l'odeur. Certaines disent que c'est une odeur chimique. Moi, pour moi, l'odeur, hein, on n'est pas chimique. Donc, voilà. Alors, ce que je peux vous dire, moi je ne peux que vous les conseiller, ils sont aux alentours des 10 euros, moi je les ai même vus beaucoup plus chers chez Monoprix, mais ils sont en réduc chez Carrefour à 6,80 euros il me semble. Moi je le dis, ça vaut le coup. Voilà les filles, la vidéo eh bien s'arrête ici, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos si vous souhaitez que je teste certaines choses pour vous, eh bien je suis là. En mode cobaye. Vous prenez soin de vous et ne calculez pas ce que les autres pensent de vous. On s'en fout.
Je vous fais d'énormes bisous. On s'en fout. On s'en fout. Bye bye.